Bonjour, c'est Gray Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends. On joue Mundo Top. On est avec un Amumu, un Zed, une Kai'Sa, un Nautilus contre Ryze, Ornn, Gangplank, Lucian et Lulu. Ouais, Mundo Top. Je suis en point de l'immortel Flash Ignite. J'aime bien jouer mon Mundo en Ignite. Je sais qu'il y en a beaucoup qui prendraient plutôt une TP. Mais je trouve que c'est très agréable. Ça permet d'aller chercher des kills qui peuvent parfois un petit peu surprendre. Alors, on peut peut-être invade là, hein, à mon avis. On a Nautilus à Mumu, il y a moyen de faire des trucs, bon s'il se réveille bien sûr. Ornn jungle en face, je crois que c'est la première fois que je vois ça, je sais pas trop ce que ça vaut. J'avouerai que je suis un petit peu surpris. Bon allez, on a vu clairement Nautilus qui met une heure à venir, je crois qu'on va pas pouvoir faire grand chose. Oh j'aurais bien aimé le toucher. On a un Ryze et un GP en TP alors qu'il va être top. Je ne sais pas. Peut-être le GP quand même, je pense. En kleptomancie, le GP. Intéressant à noter. Ok. Donc, ouais, c'est assez atypique, hein, le Ornn jungle. Bah, je suis assez curieux de voir ce que ça vaut. Je m'attendais à jouer contre un Ornn top, hein, quand j'ai vu la draft. Bon. Bien, on verra bien. Sinon, contre un GP, ça me va. Hein. Il n'y a pas trop de soucis a priori. Bon, il pourra me harass à distance, c'est pas mal. Mais bon, j'ai Mundo, je peux tanker. Je vais jouer assez défensif. Jusqu'à ce que, si j'ai l'occasion, j'aille chercher un petit kill. J'aime bien notre compo. Je trouve qu'elle est vraiment sympa. On a Zed, Kai'Sa qui ont du gros DPS. Et on a trois tanks avec pas mal de contrôle. Je pense que ça peut vraiment le faire. Bon, en face, ils sont pas ridicules non plus. Mais je sais pas, je la sens bien celle-là. Je la sens vraiment bien cette partie. Ok, je suis donc contre un Ryze. Ça va être assez compliqué d'aller chercher les stacks à la pointe de l'immortel. Ça, c'est un peu embêtant. Oh, j'ai eu peur de rater le sbire là, j'avouerai. Ok. Bon, pour l'instant, on va y aller assez tranquille. Il joue, il a pris, ok, la potion qui se recharge et avec du mana, ce qui est assez. Oui, je pense que pour un Ryze, c'est plutôt normal en fait. J'allais dire assez bizarre, mais c'est juste que j'ai pas l'habitude de jouer contre Ryze top, c'est surtout ça. Ok, ça met quand même des gros dégâts. C'est vrai que ce perso, il fait très mal. Hein. C'est souvent qu'on entend des gens dire ah oui, ça tape vraiment fort. C'est vrai que ça me picote et qu'en plus je pense que je suis plus adapté à tanker des dégâts physiques avec Mundo et les petites runes de début de partie que du dégât magique. Ok. Donc là pour l'instant j'y vais vraiment très safe, je regarde un peu, j'essaie de sentir un peu son gameplay, je me concentre plutôt sur tout ce qui est Elastite et compagnie, pour l'instant j'en ai pas manqué un seul. On va essayer de lui mettre un petit coup de pointe de l'immortel. Allez hop. Ok, je prends tellement cher. Putain, la vache, les combos qu'il met. Bon, il consomme son mana. Hein, ça c'est. Oh là là, j'ai cru que j'allais pas avoir le gros. Il consomme quand même beaucoup son mana. Donc je peux peut-être essayer de jouer là-dessus. Je vais pas spécialement demander de l'aide parce que j'ai pas envie de... Merde. J'ai pas envie d'embêter mon jungler à lui demander de l'aide alors que j'ai juste à jouer safe en fait et ça va à peu près. Je me suis dit, il y a peut-être moyen de faire un petit H4 sniper là, mais c'était compliqué. Putain, il m'est cher. Hein. Ah oui! Ok, en plus, il joue en rush physique. Ok, je me fais quand même un peu découper. Il est en TP. Je pense qu'il faut que je demande de l'aide parce que je me fais quand même un petit peu éclater. Ok, il y a en plus le Ornn qui s'approche. Je vais essayer d'y aller très très safe. Ok, il y a Mumu peut-être qui a besoin d'aide. Ok. Alors attention, mec, tu vas te prendre un Ryze, barre-toi. Bon, bah nickel, je sais pas trop pourquoi il est passé par là, Ornn. Putain, je pensais avoir le last hit, là. Ok, en plus je récupère un red buff, donc là, je pense que j'ai une opportunité. Il faut juste que je dépush cette wave, que j'arrive à ne pas la laisser s'écraser sous tourelle et que je perde pas le farm. Faut surtout pas que je me fasse tuer maintenant, en fait. Oh putain. Ok, avec le red buff en plus, j'ai une petite régène de PV en plus, qui est plutôt appréciable. Et là, bah, j'ai peut-être moyen de le tuer. Hein. Ah, il me met très cher, mais j'ai quand même le red buff, l'ignite. Il y a moyen de faire des choses, hein. Très clairement.
Un peu compliqué. Si je peux atteindre le level 6, en fait j'ai vraiment pas envie de grid parce que Ryze, j'ai pas l'habitude de jouer contre, je connais pas ultra bien le perso. Bon, il a plus beaucoup de mana, ça c'est ce que je vois. J'ai très envie de faire un all-in, mais j'aurais tellement peur de perdre et de me retrouver dans la merde du coup sur ma lane. Je préfère jouer safe quand je suis pas ultra confiant. Très très souvent, le simple fait de jouer safe, en fait, c'est la meilleure chose à faire. Il y a beaucoup de personnes qui vont vraiment chercher les kills systématiquement au bout du monde. Je sais pas pourquoi on ping là. Il y a un infernal, ce serait bien d'avoir la vision dessus. Je sais pas pourquoi ils s'en foutent. Bon, après, je pense pas que Horn ce soit le genre de perso à aller faire un infernal sneaky solo. En vrai, dès que je prends le level 6, je pense que je peux tenter un all-in. Il faudrait juste que j'ai encore le. Voilà, l'ulti quoi. Oh là là, ce génie. Je savais qu'en prenant mon temps, il y avait moyen que ça se passe nickel. C'est tellement beau. Est-ce que j'ai de la vision sur Ornn? Putain, ça c'est vraiment le contrôle de la lane. J'ai fait des choses tout en douceur. J'ai attendu le moment pour y aller. Il avait plus de mana, j'avais le level 6. Enfin là, j'avais vraiment tout pour que ça se passe bien. Et c'était parfaitement calibré quoi. Je prends même le petit last hit. Ah. C'est marrant ça d'aller chercher des kills comme ça. Au bout du. Putain, je me suis dit, je vais pas overextend sur la lane, je vais me barrer direct. Et oui, j'avais pas calé qu'il pouvait faire ça, putain, c'est assez horrible. Hein. Bon bah j'aurais dû back direct. C'est souvent, hein, je joue bien ma lane jusqu'au first blood et après je fais de la merde et je donne un kill. Et là je pensais vraiment que ça allait quoi, je dois avouer que je suis déçu. Bon bah c'est bien, j'ai encore plein de choses à apprendre, mais putain, je me suis dit, allez, je fais pas le con, je fais les choses bien. Là vraiment, je voulais juste push la wave, back, me mettre safe, et putain il me chope, il met son combo, même en courant, avec un perso solide, ça passait pas. Bon, GG pour le Drake. Très très bien. La Mumu qui a l'air de bien faire son taf, 3 assists. Bon, je suis quand même bien, moi pour ma lane, mais voir ça me saoule quoi, d'être mort comme ça, alors que là j'étais vraiment parti pour vraiment le dominer à fond. Et maintenant, bah, ça va devenir un peu compliqué pour moi. Attention SS. Ça me saoule un petit peu. Ok, hop, on prend le gros. Ouais, un peu frustrant. Bon, il est au mid, j'avais annoncé le SS. Je vais aller déwarder. J'espère vraiment qu'Amumu va s'en sortir. J'aimerais bien y aller, mais j'ai peur d'arriver trop tard et qu'il se soit barré. Peut-être que je peux plutôt aller prendre des plaques. Non, le hachoir était pas complètement foiré, là c'est juste que la hitbox elle est un petit peu grande et des fois en mettant un petit peu de côté on peut réussir à prendre des last hits qui auraient été compliqués à prendre autrement. Ok, il back, donc là je peux peut-être aller grappiller une petite plaque. Bon, pas tout de suite a priori. Putain, je me fais absolument troll par les déplacements de mon perso, j'ai horreur de ça. Ok, finalement là j'ai une plaque qui tombe. Au moins une. J'ai l'ulti pour me barrer si je me prends. J'allais dire, je vais me prendre un Ornn hein, très probablement. J'aurais pu enchaîner, mais voilà, les dégâts du rail, j'ai du mal un petit peu à les appréhender. J'ai eu un doute sur le fait que je faisais le doublé ou pas. J'aurais peut-être pu y aller, hein, mais. Encore une fois, jouer safe plus que de prendre des risques que je maîtrise pas très bien. Mais là, ouais, je pense que peut-être qu'en étant allé dessus, je l'aurais tombé. Bon, encore une fois, il mange son mana. Après, je pars plus sur l'optique de me mettre bien sur le farm et d'aller chercher les plaques et tout. Mais bon, j'aurais peut-être pu effectivement l'enchaîner là. En plus, j'ai récupéré l'Ignite. On va essayer de la race au hachoir. Bon, c'est pas trop ça. Par contre, il a une capacité de dépêche qui est assez impressionnante. C'est bien, hein, c'est vraiment Ryze, c'est un perso que je connaissais pas trop. J'ai pas eu beaucoup l'occasion de jouer contre lui. Bon, en même temps, en top lane, c'est un peu normal. Et là, bah, ça me permet de découvrir un petit peu les choses. Ok, les last hits sont foirés. Ok, il y a une plaque là qui part dans les sbires. Ça, c'est nickel. Attention, il a encore SS. Ça a une grosse mobilité quand même comme champion. Ça, c'est assez important de le noter. Ok, je pourrais avoir le visage spirituel.
Je grid peut-être un peu là, j'ai pas de vision. Ouais, à mon avis, c'est de la merde. S'il me claque l'ulti, il y a moyen qu'il me mette dans la merde. Je vais peut-être devoir back. Ou alors j'attends l'ulti. Ouais, dans 10 secondes, je peux claquer un ulti avec Ignite et peut-être aller le tomber. Donc on va partir sur ce petit pari. Je vois que pour le reste de la team, ça a l'air de. Voilà, il y a des kills un peu dans les deux côtés. Ça reste assez équilibré. On a quand même un infernal pour nous. Je pars du principe que si on va chercher le late game, ça va bien se passer. Parce que bon, moi j'ai un Mundo, donc en late game, forcément, ça fait le taf. Je suis dans la hitbox là vraiment, c'est ça ma vie? Je pensais pas. Putain, le horn, il avait pas l'air très très bon pourtant le horn quand il est venu sur moi tout à l'heure là. Et là il est en train de se mettre bien. Là, je voudrais juste que le Rise y grid en fait et qu'il vienne ce tour et je lui mets tout. Il y a une sacrée portée sur ses sorts. Qu'est-ce qui se passe sur la team là? Qu'est-ce qu'ils font? Bon, je vais pas y aller parce que je sens que je vais juste me faire tuer. Je suis assez déconcerté par la capacité de push de mon adversaire. Je crois qu'il faut encore que j'encaisse la vague là. Mais je sais pas jusqu'à quand je vais pouvoir faire ça en fait. Et je suis complètement sous tour et il me harasse, mais vraiment vénère quoi. Alors il faudrait peut-être que je dodge un peu plus. Ok, je peux dodge ces spells, j'avais un doute parce que j'ai l'impression que les hitbox sont absolument énormes. Mais là il faut vraiment que je back. Et bon, le top, je suis ok, hein, j'ai pas besoin spécialement de mon jungler. Là je vais le tomber je pense, hein, je vais revenir avec le visage spirituel. Je vais peut-être même prendre... Je vais faire une trinité pour avoir des dégâts et pouvoir peut-être surprendre. Ça peut être étonnant sur Mundo mais il y a un énorme scaling en fait avec le E. Faudrait que... Faudrait que le Mumu focus plutôt le mid et le bot. Moi ça va vraiment. Bon là ma tourelle prend cher. J'ai été un peu déconcerté. En fait tout le problème c'est vraiment que je lui ai donné un kill que j'aurais jamais dû lui donner tout à l'heure. Et je pensais vraiment pas que ça allait se passer comme ça. Ok, le Rise à back, je pense. Bon, ils ont la vision sur le Drake, la Mumu prend bien les objectifs, ça c'est vraiment nickel. Je vais avoir mon level 11 avec l'ulti niveau 2, ça c'est plutôt cool. Allez, est-ce que je peux peut-être encore aller prendre des petites plaques là-dessus? Encore une, je pense. Si je pouvais en prendre une de plus, ce serait génial. Toujours pas de vision sur le Rise, attention, ça peut tomber sur les adversaires. Allez, je vais grid la plaque là. Normalement. Ok, nickel. Ah, oh, j'ai été tellement con. Ok, il a mis l'ulti. Bah, je lui ai fait claquer son ulti. Je pense qu'il a un peu paniqué. Il a cru peut-être que j'allais vraiment follow. Au final, bon, j'ai mis l'ignite, j'aurais pas dû la mettre. J'ai pensé qu'il allait jouer plus agressif. Et en fait, il a back juste quand je l'ai mise. Du coup, je l'ai un peu claqué dans le vide. Mais lui, de son côté, il a mis l'ulti dans le vide aussi, donc au final... Ok, il faut vraiment que j'esquive ses sorts. Par contre, là, avec le visage, je commence à bien tanker. Ça, c'est plutôt cool. Hop, on prend le gros sbire. Alors, ça fight, mais je crois que c'est plutôt à notre avantage sur le reste de la map. Alors, c'est vrai que si j'avais une TP, je pourrais être un peu plus présent avec eux, parce que là, bah, effectivement, je suis un peu solo sur ma lane et je suis pas très présent sur la map. Ça c'est peut-être pas terrible. Attention hein, sur le mid là. J'ai bien ping, normalement il crève pas, sinon ça me saoule. Je vais essayer d'aller récupérer la tourelle en contrepartie. Il faudrait vraiment qu'il tombe pas, putain. À chaque fois je ping direct hein, les SS, mais... Faudrait peut-être que j'aille mettre de la vision un peu plus deep là autour du baron. C'est assez contrariant ça pour le coup. En plus là ils enseignent sur le Drake. Allez, il faut pas leur laisser, hein. Un Mumu qui est au raid, je sais pas trop pourquoi. Pourquoi ils défendent pas le Drake là. Bon moi je vais aller faire un trou sur la top lane, voilà. Qu'est-ce que c'était que ce Tamumu au raid? Je sais pas, ils étaient tous là. Oh là là, ils ont fait de la merde. Ils ont fait de la merde. Bon moi j'étais pas avec eux mais je mets de la pression sur la top lane, là normalement ils devaient le sécuriser ce Drake. Hein. Bon je crois qu'il y a un raid à récupérer là. Ça c'est bien.
pense qu'il faut que je back et que j'aille peut-être jouer un peu avec eux. Je vais prendre le phage. Ça sera pas mal. Même phage et dardeur. Allez, bientôt la trinité. Ça devrait... Là, j'ai des dégâts assez monstrueux. Bon, je suis à 3-1, j'ai un bon farm. Je suis exactement à égalité sur le farm avec le Rise. Mais... Ouais, j'ai un kill de plus. Il a une assist de plus. C'est à peu près even. Bon, c'est bien que j'ai pu push la lane comme ça. Maintenant, je pense que je vais essayer d'aller jouer un peu plus avec ma team. J'avais l'impression qu'il gérait bien les objectifs et tout. Là, Mumu, il avait fait un bon taf sur le premier Drake sur le Herald. Par contre, là, il a complètement fait nimp. Je sais pas comment c'est possible qu'ils aient, lâché le Drake là alors qu'ils étaient tous... Bah, ils étaient tous dans la zone, ils avaient tous des PV et tout, et je sais pas, ils ont complètement laissé le Drake. Alors peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas vues, je regarderai le replay, enfin la vidéo en tout cas que je filme, mais j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi ils ont fait ça comme ça. Et oui, sauf que là, oh putain, c'est relou ça. Est-ce que je peux le prendre sa merde moi? Ok. En vrai, il met tellement rien. Je vais même garder l'Ignite. Voilà, ça c'est vraiment avec le phage, ça me fait une vitesse de déplacement. En plus j'ai le dardeur qui scale avec le E. Là j'ai vraiment un stuff ultra agressif. En plus j'avais le red buff, enfin, j'avais tout là pour passer mon kill nickel. Je suis en train de stomp ma lane, mais je sais pas ce qu'ils foutent. Bon, je vais y aller, hein, mais j'aurais bien aimé aller encore chercher la tourelle, la T2 top. Mais là si je vais pas les aider, je crois qu'ils vont vraiment crever en boucle en fait. Je comprends pas trop ce qu'ils font. Alors j'ai pas d'ulti. Ils sont sous tour. Je dois y aller sur le GP. Je le tombe très vite. Normalement. Ensuite, lui, je le solo, je pense. Ok. Bah putain, heureusement que je suis là. Hein. Bon, je vais pouvoir avoir ma trinité. Vraiment, ouais, je suis décontenancé par le Drake qu'ils ont lâché, sinon ma team a plutôt bien joué hein, sur à peu près tout le reste, mais j'avoue, je comprends pas trop le Drake qu'ils ont lâché. Bon, moi je suis en train de faire une... je suis en train de mettre ultra bien, hein, 6-1, j'ai des dégâts énormes, là vraiment le kill du rang, il a été tellement facile au top, alors que c'était tendu hein, toute la game, mais vraiment le Dardeur en fait, et maintenant la Trinité, ça va me faire des coups avec le E là, qui me booste en AD, absolument monstrueux. Allez, on va aller prendre le carap, il faut sécuriser la vision, le contrôle de map, regardez les dégâts que je mets quoi, oh les patates. Je pense, ok, c'est très bien que ce soit le menu qui les récupère, parce qu'avec son item jungler, il a un bonus. Ok, je vais aller fight avec eux. Vas-y, go. Ok, je pensais toucher. S'ils veulent fight, je suis prêt, moi. J'annonce, en plus là, je vais prendre tous les kills avec le... Parce que le E plus auto-attaque avec la trinité, ça me fait des dégâts, mais... Absolument dingue. Plus en plus la pointe de limo. J'ai presque hésité à le faire en conquérant en fait mon Mundo. Ah oui, go. Mais tellement. Ouais, il aurait pu me laisser. Si, c'est moi qui ai tanké, je crois. Alors, je suis pas forcément satisfait de cette espèce de fight bizarre au mid là. Oh, j'ai envie de la dive, mais avec une force. Ok, go se barrer là. Où est-ce qu'elle s'est fait cache avec ça? Putain, au bot, comment elle peut se faire niquer comme ça? Je vais essayer d'aller le récupérer. Allez, Infernal, on le sécurise s'il vous plaît, les potes. Oh oui. T'as raison, bait-moi toi. Vous avez vu le dégât là avec la trinité et le E? Putain, mais ce que je lui ai mis. Je crois qu'elle devait se dire je vais bait et ça va bien se passer, mais je l'érecte avec une force. Alors je vais éviter de me faire cache sous la tourelle. Je suis en train de les exploser. Putain, mais mon Mundo Trinité en fait c'est le life hack sur League of Legends sur cette saison quoi. Merde, j'ai pas follow là. J'ai pas follow et bon, il aurait pas dû y aller, mais moi j'ai pas été réactif, je pensais partir vers le Drake en fait, là. Je comprends pas pourquoi il tente des trucs comme ça alors qu'il y a le Drake et on a besoin de notre jungler. J'aimerais bien qu'il grid, parce que là j'ai... Oh putain, je peux prendre la cape solaire. Ah, si je pouvais avoir la cape solaire, ce serait absolument génial. Il me faudrait le raid en fait. Si je pouvais l'avoir, bon, Kai'Sa est dessus. C'est vraiment de la merde hein, qu'il soit mort juste sur le timing du Drake de l'Infernal là. Il va te faire avoir mec.
Oh, j'ai fait de la merde. Je me suis mis en auto-attaque, enfin en Q-click quoi, et ça m'a fait faire demi-tour dans la ward. Ce qui est absolument nul. J'aimerais bien faire le Drake, mais il faut d'abord qu'on sécurise nos positions là, on peut pas y aller. Moi j'ai des dégâts monstrueux, mais il faut que quelqu'un engage en fait, ou au moins qu'on ait Mumu pour smite. Putain, j'ai perdu mon ulti smite dans le vide, je suis archi deg sur un petit misplay. Ça c'est vraiment de la merde. Le Z qui se sent plus pissé. Ok, le Drake est fait, ça c'est parfait. Moi je fais une très très bonne frontline, hein. Tant que je suis devant, ils peuvent pas approcher concrètement. J'en reviens pas du kill sur le Lulu de tout à l'heure, il était absolument incroyable. C'était plutôt génial à placer. Bon, je crois que je vais arrêter d'être avec eux parce qu'on fait rien. Je vais retourner sur ma top lane. Ok, bon, si Kai'Sa va aller prendre le farm, c'est très bien. Moi vraiment avec Mundo, je tire le plus de puissance à rester avec ma team, on va dire. Le Ryze là, en vrai, on peut peut-être se le faire. Oh ouais, go. Go, 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 Nautilus, bait le par en bas. Alors, il devait avoir une ward, je pense que je suis vu. Merde. Bon, du coup, c'est un peu nul. Bon, il faut que je back. Là c'était un peu... C'était évident qu'il y avait des wards, on était autour du Drake, il venait d'y avoir l'Infernal. Ah, c'est marrant, ça. Salut, Lucian. Ah, je m'attendais à ce qu'il crève direct. Je m'attendais pas à ce qu'il ait un dash qui l'envoie aussi loin. Bon allez, on se barre là, c'est de la merde. Putain, ça fait depuis peut-être une heure que j'essaie de back. Ok, je veux juste essayer de pas laisser crever mon pote. Juste cours, hein. Ah putain, non, en plus Lulu. Je veux juste essayer de le sauver. Bah oui, toujours plus, hein. Je vais crever, j'ai lâché le flash pour crever, mais ils sont tous là! Ça fait une heure que j'essaie de back. Oh putain, j'ai horreur de ça, je déteste quand ça se passe comme ça. C'était de la pure merde, ça, hein, littéralement. Bon, j'aurais pas du grid, c'était sûr que c'était truffé de ward la zone, là j'ai pas d'anti-ward sur ce perso. Bon, après, là, on va dire qu'ils ont laissé un free farm à Kai'Sa et une tourelle, donc à l'échelle de la team, c'était très rentable pour nous, c'était pas malin pour eux, mais. C'est frustrant en fait. Je vais me prendre une côté pineuse direct. Pas le temps de niaiser. Est-ce que je vous prouve Vendoran? Prendre côté épineuse, ouais. En vrai, avec l'autre épineuse, là, le Lucian et tout, parce que là, c'est quoi qui m'a mis au fond? Ouais, en fait, c'est que j'ai essayé de sauver le Nautilus, au final, du coup, je me suis pas vraiment barré, je suis resté à côté de lui, essayer de mettre des hachoirs et tout. Puis à la fin, j'ai vu l'ulti de Ryze, j'ai mis le flash et tout, mais enfin, c'était de la merde, j'aurais dû garder mon flash. J'aurais dû, d'une part, pas crever, d'autre part, garder mon flash, à la limite, laisser le Nautilus crever, de toute façon, c'est un support, c'est pas très grave. Bon, c'était pas une très très bonne gestion sur ce petit move, malgré, bon, ma partie dans l'ensemble est absolument géniale, hein, mais ça, c'était un peu de la merde. Peut-être aller prendre le bleu. Je sais que c'est pas forcément pour moi, mais disons que les délais de récup, ça me met bien pour mon ulti. Je vais retourner là-haut. Là, j'ai l'ulti, j'ai le ignite. Je peux faire du 1v2, je pense, sans trop de problèmes. On va voir. Il n'y avait pas Ryze GP il y a 2 secondes, là? Ok. Attention, ça va arriver par là, les potes, je pense. On va essayer de faire un petit push. Ouais, faudrait pas qu'ils fight, hein. Il faut pas fight, les amis, là. Bon, je vais y aller, parce que je sens qu'ils vont prendre le fight, mais je serais d'avis, moi, à ne pas engager, là. Faut que je fasse attention à pas me retrouver en 1v1000, là. Il y a mon aim de mon côté jungler qui ressort quand même. Si je peux peut-être choper une backline par là, bon allez, j'y vais. Ok, j'ai absolument rien touché, j'ai rien fait, c'est un peu désagréable. Mais au moins je suis là pour sécuriser la team, on va dire. C'était de la dope ce fight, hein. Je sais pas pourquoi ils l'ont pris. Là je pouvais pas faire grand chose sans vraiment trop m'exposer. Ça touche. Le GP me saoule pas mal. Alors le horn peut tomber très vite, hein. Bon, moi, tant qu'ils veulent jouer sur comme ça, il faudrait juste qu'il y ait le Amumu qui en mette un... Putain, ils sont 4 encore, là. Allez, le horn, il tombe. Yes, bon, j'en ai pris 2. Vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de team, en fait. Je sais pas, je comprends pas leur prise de décision, c'est très bizarre. C'est quoi qui m'a découpé, là? C'est le GP qui m'a mis assez cher. Bon, ça va m'être bien quand j'aurai la côte épineuse en plus, ça c'est clair.
Mais là, voilà, encore une fois, il crève juste avant un timing Drake, ce que je trouve assez maladroit quand même. Allez, il faut le sécuriser, s'il vous plaît. Putain, je suis un peu le seul en positif, quoi. Bon, il y a Kai'Sa qui est à 7-5, mais là, le fight, j'ai pas trop compris. En fait, là, il y avait juste à split, à aller prendre les objectifs. Ah ouais, carrément, ça leur fait un Ashor. Bon, moi, je commence à être assez tanky. Il va vraiment falloir que j'aille shotgun le Lucian à chaque fois. Je pense que je peux le tuer extrêmement vite. Mais là, à chaque fois, ils font des choses comme ça que je comprends pas. Je sais pas si on pourra défendre le Nash s'il a été def. Bon, je vais rush le... Je vais rush le Drake. Ensuite, il me faudra assez vite la côte épineuse. J'irai peut-être faire un peu de farm sur les lanes ou sur les camps de jungle. Allez, go. Hop, ça c'est pour moi. On va aller mettre de la... Ok, il y a déjà de la vision en vrai. Je vais aller stomp le Drake avec Amumu. Qu'est-ce qu'il fait, Zed? Bon, on va dire qu'il les a occupés pendant qu'on faisait le Drake, mais je comprends pas l'intérêt de se suicider comme ça, en fait. T'es à 5-9, mec, hein, t'es pas à 15-2 à pouvoir jouer ultra agressif, hein, au bout d'un moment. Ouais. Bon. Que dire? Allez, ça je prends, ça je prends. J'ai la côte épineuse, très très important, on a dit. Je vais essayer de prendre cette petite wave, mais je vais essayer de pas trop en faire et d'accepter que je l'ai pas entièrement. Là, il faut vraiment qu'on split, qu'on prenne des bonnes fights, qu'on ne se fasse pas de catch en 1v1. Bon, il y a un Z qui va se suicider en boucle, hein, de ce que j'ai compris. Mais si la Kai'Sa est bonne, ça peut le faire quand même. Voilà, là, je commence à être vraiment archi dangereux. Ok, bien joué, ça. Est-ce qu'elle peut se faire le rise aussi? J'en doute, c'était pas très loin, hein, en vrai. Bon, je vais arrêter d'essayer de trop jouer avec ma team, parce que vraiment, les teamfights qu'on fait sont très très bizarres, et j'ai du mal à comprendre la logique. Je vais plutôt partir dans une optique de split push, à me dire que je peux vraiment aller prendre des tourelles, et que... Oui. Encore. Oui. Encore. Je fais juste du 1v3 quoi. Après, si ma team pouvait juste ne pas crever, ce serait bien. Oh là là, le monstre. Ok, il n'y a pas de... Je fais juste un triplé et ils arrivent à crever eux alors qu'ils ont plus grand chose à gérer quoi, franchement. S'il le stun, go hein. Moi, il me fait pas peur le Ryze. Hein. De toute façon, là, je suis à un stade où j'ai pas peur de grand chose pour être franc. Allez, go. Yes. Go. Très très bien ça. Ouais, j'avoue, Gonash. Ils ont raison. C'est le moment où ils pensent qu'ils vont m'avoir, alors qu'en fait je fais du 1v2. En tout cas, je les occupe pendant à peu près 1 million d'années. Non, oh, c'est génial. Je fais du 1v9 en fait là. Je les respecte tellement pas, c'est absolument génial d'être aussi fort que ça là. Je me sens mais tellement strong. J'aurais peut-être pu réussir à choper le Lucian là. Ok, go. Ça tombe. J'ai les potes. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre de plus, moi? Je pense que je vais me prendre un casque adaptatif contre le Ryze qui me saoule un peu quand même. Ça devrait être un bon choix. Ça fait de la res magique énervée, ça. Ouais, c'est bien. Bon, moi, je suis full stuff. On a le baron, je vais go bot. Bon après je sais pas c'est quoi le plus rentable entre soit je vais split et soit je les occupe parce qu'en fait je peux un peu faire du 1v4 et je les tiens pendant 1000 ans donc c'est pas mal. Je pense que là j'ai un stuff qui est vraiment monstrueux. La Trinité en fait c'était un très très bon choix, hein. C'est ça qui m'a permis de vraiment détruire la game et d'avoir des dégâts mais incroyables.
J'ai mon niveau 18 en plus qui synchronise avec tout ça. Ok, je regardais la map quand j'ai lancé le hachoir pour ma défense. Hop. Alors, fightez pas sans moi par contre, hein, s'il vous plaît, réfléchissez 2 minutes. Bon, je suis mauvaise langue, ils ont dû estimer que c'était une bonne prise de fight. Ok, je vais essayer de tomber sur le rise là. J'y vais un peu en ligne droite, mais... Le mec me voit, Isonia. Réflexe, la panique. Là, je mets tout sur le missile, hein, concrètement, là. Bon, wow, ok, je peux même y aller comme ça. Ça, je pense que elle, je la tue, mais... assez vite, quand même. Les gars, non? Je sais pas. À l'aide. Ok, je suis toujours là. Bon, j'ai tanké pendant longtemps. Je pensais que la tourelle tomberait peut-être un peu plus vite que ça, mais... je pensais réussir à mettre le coup sur le lui, en fait, ce qui l'aurait tué direct. J'avoue que je suis un peu déçu que ce soit pas le cas. Allez, je vais aller bot maintenant. On va faire les choses dans l'ordre, sans grid. Et on va finir très proprement. Alors, allez, 2 secondes pour l'ulti. Merde, je pense que je vais crever. Faut juste que j'arrive à survivre 2 minutes. Ok, t'es mort, mec. C'était le grid. Et ça s'est vraiment joué à 3 fois rien avec l'ulti, là. Ah putain, j'ai mis... l'ignite est passé, mais ça va pas cancel le back. Du coup, je gâche juste mon ignite, je suis archi-deg. Je me voyais le tuer, le Lucien, là. Alors, c'est pas mal de mettre le... Allez, là c'est du grid de rester, je pense. Oh, quoique... on a vu que je pouvais quand même faire des miracles. Là, il va falloir aller chercher l'inhib top, hein, concrètement. J'ai pas grand chose de plus à prendre sur le stuff. On va essayer de push, il faudrait juste que... je sais pas, j'ai l'impression qu'on a pas de team. Il faudrait juste qu'elle soit là et on termine, en fait, hein, mais... Allez, allez faire le drake, s'il vous plaît. Fais quoi, Ryze, en fait? Que t'arrives-t-il, mon pote? Tu veux mourir? La vérité est que je peux le choper. Ok, il y a le Drake en plus qui me fait de la move speed. Je peux pas courir là? Ah, j'ai grid. Je sais pas, je me voyais pouvoir le tuer et courir, mais non. Bon, là, c'est moi qui prends trop la confiance avec mon perso archi-fed. C'est dommage, hein, ça gâche un petit peu la beauté de ma partie. En fait, je comprends pas pourquoi ils ont pas... pourquoi on n'a pas déjà fini, en fait. Là, il y avait juste à prendre dernière inhib. Et ils font rien. Bon. Allez, j'y retourne, j'arrête de grid comme ça. Bon, là, j'étais littéralement en 1v5. J'aurais pu... je crois que j'ai misplay. J'ai dû rater un hachoir ou je sais pas quoi. J'avais certainement moyen de les tuer. Au moins d'en tuer un ou deux. Bon, on voit le skill mécanique d'Amumu, hein. Presse R, non, mauvais moment. Bon, ça arrive, hein. Je dis pas que je ferais mieux à sa place. S'il vous plaît, les amis, finissez, il faut prendre ça, là, tous ensemble, vous y allez. Allez. Kai'Sa qui a des bons dégâts en plus. Bon, le Z c'est une chips, hein. Il se balade, il crève, il se prend des balles perdues, c'est quand même... c'est un concept. Ils sont pas du tout synchro, le Nautilus qui y va, il est tout seul, alors que complètement après le fight, c'est incroyable, hein, en vrai, hein. Je peux prendre, je vais prendre l'élixir de fer, allez hop. J'aurais pu prendre celui qui fait des dégâts, mais... c'est assez incroyable ce qu'il nous propose, là, je dois avouer que je suis un peu sur le cul. Je vais essayer de venir là. Mais Amumu, il rate tous ses sorts, hein. C'est quand même quelque chose, hein, il faut le voir. Bon, bah on est vraiment pas aidé par la team, mais allez, on va dire qu'on va réussir à finir. Il y a juste quelques petits coups à mettre sur un Nexus et c'est bon, là. Je vais essayer juste de prendre le contrôle de map, ça pourra servir. Il aurait juste fallu qu'ils viennent avec moi, on les explosait en fait, hein, mais je sais pas trop ce qui... Ok, là je peux récupérer le Ryze, ça sera une très très bonne chose de faite. Je veux juste espérer qu'il ait pas d'ulti en fait. Genre même là je l'ai carrément pas là. Oh là là, c'est boring as fuck cette merde là. J'étais pas loin d'avoir les dégâts pour l'avoir. Hein. Bon, il a lâché sa TP, moi j'ai rien pour le cancel avec Mundo malheureusement. Allez, tous au Nash, s'il vous plaît, les amis, on peut le faire. Est-ce qu'il peut y avoir un move de team qui ressemble à quelque chose, s'il vous plaît? Ah bah oui, on a un Mumu qui s'est suicidé, c'est vrai. Ça aide pas. Ah, je me demandais si ça allait le taper, là. Ok, le hachoir était raté.
Mais qu'est-ce qu'il fait, Zed? Sérieusement, qu'est-ce qu'il fait? On a besoin d'un Mumu. Allez, tous le Nash. On peut le faire, hein, je suis sûr que c'est possible qu'il existe un monde dans lequel on le fait. Elle a pas touché la Kai'Sa. Ok, je sais pas trop ce que c'est que cette ulti. Allez. Bon, je me retrouve à focus Horn, c'était pas vraiment ce que je voulais faire, mais comment on peut tous se faire tuer comme ça là? Allez, la Kai'Sa, il faut pas la laisser crever. Voilà, il fallait vraiment que je la sauve. Ah bah enfin! Bien ça. J'y vais. En vrai, je vais aller chercher les inhibs, on va aller finir ainsi ça. Je sais pas, la team que j'ai là sur cette partie, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de team en fait, c'est très très bizarre. Après, on va dire que du coup, je m'amuse encore plus, hein, mais Nautilus, tape l'inhib s'il te plaît. Tu peux le faire. Faut juste qu'on prenne les inhibs, hein, ils pourront pas def. Hein. Allez, celui du mid maintenant. En vrai, mais t'as un ulti Nautilus, hein, tu le mets sur Lucian, il est mort, hein, c'est aussi simple que ça. Ah putain, il a de l'anti-heal. Mais c'est sur Lucian qu'il faut le mettre, c'est incroyable. Il est incroyable ce Nautilus. Voilà, quand même. Allez, c'est sur le reste qu'il faut aller là. Bon, j'y vais parce que je sens que je. Mais qu'est-ce qu'ils font la team là? Allez, s'il vous plaît, on me laisse pas crever. J'ai l'impression qu'on est. Je suis tout seul, hein. Mais qu'est-ce qu'ils font? Putain, c'est incroyable. Il faut rien. Ils font absolument rien. Moi, je vais rien dire. Hein. Je suis pas du genre à être désagréable, mais. Vraiment, ils rendent fous, hein. Ils ont aucune vision de jeu. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font? Il y a un Nash ici, il y a un Drake ici, il y a un Inhib ici. Ils sont au centre du triangle et ils marchent. Voilà. Bon. Ce serait bien qu'ils attendent que je sois en vie pour prendre le Nash. Ça, ce serait cool, mais bon. On va dire que c'est pas grave. Est-ce que je prends des Mercure à la place de mes Célérités? Je me pose la question. Il n'y a pas tant de contrôle que ça en vrai, mais. Non, je pense que célérité c'est bien. Allez, on y va avec moi. Bon, ils ont réussi à ne pas avoir le. À ne pas sécuriser le Drake, c'est triste, hein, alors qu'il y a deux inhibs qui sont ouverts. Allez, tous ensemble, Kai'Sa, s'il te plaît. Bon, si elle l'a, c'est un bon catch, hein, mais voilà. Pourquoi elle fait ça en fait? On est en train d'éclater la game, il y a juste à jouer ensemble, à aller prendre l'inhib et il faut qu'on ait un ADC qui aille se suicider sous la tourelle en fait. C'est quand même. J'ai 5000 gold de trop quoi. Je suis tellement tilt là. Je crois qu'on va devoir FF en fait. Hein. Il y a juste besoin d'aller prendre l'inhib. Mais non. En vrai, je sais ce que je vais faire. Je vais passer par derrière. Je vais aller prendre l'inhib. Ce sera assez drôle. Il faut bien que quelqu'un le fasse parce qu'ils arrivent pas en fait. On dirait qu'ils voient pas. En plus, avec mon attaque speed, c'est quand même assez stylé. Je vais le dépop assez vite. Je vais essayer de finir en vrai. Ils ont juste à les empêcher de back et on a gagné en fait. Là. Je sais même pas s'ils savent faire ça. Ok, super, je me fais troll par les sbires. Est-ce que je vais me retrouver en 1v1000? Probablement. Allez, ça, je peux peut-être la prendre. Non, peut-être que je peux courir. En vrai, je fais un taf incroyable, hein, mais je sais pas. Juste, il y a une tourelle, un Nexus à prendre, les amis. C'est quand même pas grand-chose, hein. J'ai l'impression d'être. Putain, j'ai. Ouais. J'ai l'impression qu'on joue pas au même jeu en fait, s'il vous plaît. Allez.
Faut juste me suivre. Il y a un gros mec vert, un peu bodybuildé comme ça. On le suit. Tous ensemble, on va prendre la tour. On laisse les lane push. We want... Solo. Qu'est-ce qu'il raconte? Ça fait une heure qu'il fait n'importe quoi. Juste, et Kaïsa, s'il te plaît, ne rush pas dedans. On attend un Mumu. On y va ensemble. Bon, Nautilus qui back. Très bien. Putain, mais elle aurait dû être finie il y a 20 minutes la partie, no joke, hein. Je comprends pas, hein. C'est absolument dingue ce qui se passe. C'est ouais, c'est très étrange. Bon là pour le coup si j'avais une TP j'aurais pu mettre une petite ward près du Nexus et essayer de faire un backdoor assez stylé mais... Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais Amumu, mais Finé, c'est incroyable hein. A chaque fois on va être 5, il y en a un qui back. C'est absolument... je suis dépité là, ouais. Les inhibs qui vont repop. Ah, oh, sérieusement, quoi. En plus, on a quand même Amumu Nautilus, quoi. Normalement, il y a deux mecs qui pressent R, on gagne le fight en team, quoi. On n'est pas censé pouvoir perdre ça, hein, mais... Bon, j'ai mon Ignite dans 10 secondes, je vais avoir l'ulti. Bon, j'ai plus mon consommable actif, c'est pas très grave. Mon élixir, là. Z, s'il te plaît, viens avec nous. Joue même jeu que nous, s'il te plaît. Tous ensemble, on y va. Ok, il y a peut-être un Ryze à choper, là. Il faut qu'on soit ensemble, hein. Ok, on en a 4 d'un coup. On va dire que c'est déjà plus grand que la moyenne. Mais pourquoi ils veulent pas fight en team? Je comprends pas. Allez les gars, Nautilus presse R, Amumu presse R, on prend une tourelle à Nexus, on a gagné. C'est possible, hein. Il existe un monde dans lequel ça se passe comme ça normalement, hein, mais... Allez, Nautilus, R, c'est pas compliqué normalement. C'est même pas un skill shot, hein, tu peux pas le rater. Mais non. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est en vrai... C'est dingue. C'est absolument dingue ce qu'ils font là. Ils commencent à avoir des énormes dégâts en face. Ça commence à devenir compliqué. Là ils sont encore catch. Allez, je vais essayer de suivre. C'est... Je sais pas, je suis dégoûté en fait. Je suis tout seul, forcément. Je suis absolument dégoûté. Ils veulent pas jouer en fait, hein, c'est ça. Hein. Ils se font catch les uns après les autres. Il peut pas y avoir un gars qui met un ulti à un moment. Bon bah allez, FF. C'est incroyable. Hein. C'est pas toxique, hein. Je suis vraiment le mec le plus calme du monde, mais vraiment, ils veulent pas finir, là. Il y a deux mecs qui ont juste après R, Nautilus à Mumu, on gagne le fight, et c'est fini, en fait. Ça fait une heure qu'ils ont 3 inhibs à poil, et ils font rien. C'est... Je sais pas, peut-être qu'il y a un truc que je vois pas, je sais pas, il y a peut-être des quêtes, des défis où il faut faire telle ou telle chose dans la partie, mais... C'est pas normal en fait que ce soit ça là. Je comprends pas comment c'est possible que ça se passe comme ça. Ah, il y en a un qui est tombé, waouh. Deux qui sont tombés, waouh. Allez. Allez, s'il vous plaît, on peut le faire. Je vais me prendre ça encore. Allez, s'il vous plaît les potes, allez, le Drake, soit on fait le Drake, soit on va finir. Là, il y a combien? 50 secondes. Mais on finit en fait la même. Hein. Bon, on va aller au Drake parce que si j'y vais tout seul, ça va encore être de la merde. Ok, lui il tombe. Normalement en tout cas. Allez, tu me le stun. Super, bon allez, on fait le Drake. Tout le monde a mis un beau flash dans le vide, c'était magnifique. Allez, Amumu, t'as un smite à mettre, je suis sûr que tu peux le faire. Je compte sur toi, mon ami. Je vais aller warder parce que j'ai peur quand même. Je sais pas comment leur expliquer en fait. Et en plus, c'est chiant parce que bon, le chat est pas très pratique. Je vais pas leur faire un cours de A à Z comment finir une game, mais on split, on prend les inhibs. Et ensuite, c'est le Nexus qu'il faut taper, hein. C'est pas courir autour du camp adverse, et normalement la partie se termine comme ça. Enfin, il me semble en tout cas. Hein. Allez, là j'ai peut-être une opportunité de choper un Nexus.
Un Nexus, un mini... c'est un mini Nexus, hein, on va dire ça comme ça. Ok, ça va être un peu chaud. Putain, comment je peux rater ça encore? Ok, il se cache derrière le sbire pour pas prendre mes hachoirs, c'est un plaisir. Le problème, c'est que on va se fight et dès que je vais le tuer, il va TP et je vais pas l'achever, c'est un peu chiant. Normalement, là, j'ai donné à peu près un free Nash. Allez, je vais aller avec eux. Ou alors, non, je vais persister sur... Non, non, là, il faut que j'aille avec eux. Je sais même plus quoi faire, en fait, je suis complètement déconcerté. Je comprends tellement pas ce qu'ils font que je suis paumé. C'est très très chiant. Il faut focus Luciane. Allez. Un ulti bien placé, c'est réglé. Bon allez, je me mets en aclic dans le truc là, j'en ai marre. Bon bah voilà, allez on finit. Oh bah c'était quelque chose cette partie hein. Oh là là, mes nerfs. Mes nerfs, 45 minutes. Faudra que je regarde à quel moment on a commencé à prendre les inhibiteurs. Et combien de temps ils ont été là à rien faire, c'est quand même incroyable hein. Sacrée partie. Bon, je me suis quand même amusé, hein, je vais pas vous mentir, c'était quand même stylé. Hein, j'étais tellement bien dans une grande partie de la partie, mais en fait, ce qui est chiant, c'est quand ils commencent à accumuler du farm en face, parce qu'en fait, quand on prend des inhibs et qu'on finit pas, on leur donne de la ressource, et au bout d'un moment, bah, ils commencent à pouvoir me faire des gros dégâts, et ça devient de plus en plus chaud, quoi. Et là, c'était limite, hein. Bon, on va mettre... je sais même pas qui mettre de l'honneur, en vrai. Je sais pas, on va mettre... on va mettre un super leader à Nautilus parce que c'était vraiment magnifique hein, ce qu'il nous a fait, y a rien à dire, hein. Les ultis étaient toujours ultra bien placés. Oh là là, c'était... Cette partie c'était quelque chose quoi. Ok, j'ai un jeton de maîtrise 7 avec Mundo, c'est cool. Je pense que je mérite quand même un petit peu d'honneur. T'as 25 000 gold quoi, j'avais de quoi me stuff deux fois concrètement. Oh, c'était... C'était quelque chose hein, cette partie. Quel game, hein. Pas forcément dans le bon sens du terme, mais c'était vraiment le zoo, là. Hein. Bon. Écoutez, malgré tout, c'était fort sympathique, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter, je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt.